Session de sport aujourd'hui avec vous les amis, et oui j'ai une invitée spéciale, une fois n'est pas coutume, j'ai une coach sportive sur la chaîne, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Cici Mua, qui est tout simplement l'une des plus grandes coachs en France de fitness, une fit girl comme elle le dit elle-même. Et ce qu'on adore avec Cici, au-delà de ses bons tuyaux, au-delà du fait qu'elle a évidemment un corps incroyable, et que surtout elle nous montre comment nous aussi réussir à avoir le corps dont on rêve, eh bien en fait c'est sa bonne humeur, c'est son franc-parler, c'est son petit accent du sud. C'est pour ça que j'ai voulu la voir sur le podcast, et aussi parce que derrière cette femme image, cette femme influenceuse, eh bien en fait se cache une vraie businesswoman, j'ai pas envie de dire redoutable parce qu'elle est adorable, mais en tout cas avec une vraie vision. Elle travaille depuis 14 ans sur la création de contenu, autant vous dire que c'est pas un succès qui s'est fait en un jour, et par ailleurs a créé depuis quelques années ses propres entreprises, et je dis bien ses propres entreprises parce qu'il y en a plusieurs, c'est un peu une Wonder Woman, à la fois TSE Athletics, une marque donc de vêtements de sport, mais aussi Train Sweat Eat, qui est un programme à la fois de nutrition, de musculation, de sport, bref, vraiment un concept holistique autour du bien-être, de la santé et du sport. J'ai trouvé que c'était assez passionnant de parler de productivité avec Cici, comment elle s'organise, comment elle arrive à tout faire rentrer finalement dans son emploi du temps surchargé, tout en continuant en plus à faire du sport et avoir une vie épanouie avec son mari et son petit chien. Bref, j'espère que cet épisode vous plaira comme il m'a plu à moi. N'hésitez pas à me dire, vraiment, ça me fait toujours hyper plaisir de savoir si vous appréciez mes invités. Là, je suis un peu sortie de ma zone de confort avec une invitée dans le monde du sport. C'est pas ce que je fais le plus souvent. Donc, mettez-le moi en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse. Et puis, dites-le aussi, si, aussi. En plus, elle est sur YouTube. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Allez, je vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle conversation avec Cici Mua. Salut Cici. Hello. Écoute, je suis enchantée d'être avec toi. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, j'ai plein de sujets que je veux aborder avec toi. Je veux parler entrepreneuriat avant tout. Mais si ça te va, j'aimerais commencer par le début. Remonter loin, loin, loin. Enfin, pas si loin, tu vas me dire, à ton enfance. Parce que finalement, je pense que beaucoup de personnes connaissent ton nom, mais ne connaissent pas en fait tout ton parcours. Et donc, je me suis dit, on peut peut-être faire un petit point d'abord pour commencer vraiment par les bases. Donc, où est-ce que tu as grandi? Comment était ta famille? Comment était la petite Cici? À quoi t'étais comment? T'étais déjà méga sportive ou... Alors, je suis née dans le 06, donc à Nice, dans une famille modérément sportive, je dirais. Donc, le sport a toujours fait partie du quotidien, mais ça n'a jamais été... pratiquer à haut niveau ni quoi que ce soit, mais voilà, des parents sportifs qui faisaient le petit footing le week-end, etc. En ce qui me concerne, j'ai toujours une activité, donc la danse, comme beaucoup de jeunes filles quand on est petite, puis ensuite j'ai fait du ski, donc en club, des années. Je suis passée aux danses latines ensuite, et j'ai découvert la musculation quand j'ai arrêté la danse parce que en termes de planning, ça devenait un petit peu compliqué avec mes études, les répétitions, tout ça. Et ouais, j'ai trouvé que la musculation, c'était plus simple puisqu'on s'entraîne tout seul quand on veut et presque où on veut. Et c'est comme ça que petit à petit, le sport, je dirais, a intégré mon quotidien de manière un petit peu plus intense. Mais voilà, ça n'a jamais été vraiment un univers dans lequel j'ai trop baigné non plus. Donc voilà, le sport n'est pas réservé qu'aux enfants d'athlètes. Non, mais c'est hyper intéressant de le dire parce que j'aurais imaginé, tu vois, que tu venais d'une famille de grands sportifs. Non. Et en fait, c'est toi, c'est ton envie jeune en plus, c'est ça qui est étonnant, de faire du sport. Qu'est-ce que ça t'apportait en fait à l'époque, ce sport? Pourquoi, par exemple, la danse? Sincèrement, quand j'étais plus jeune, je ne me posais pas vraiment la question. Mes parents m'ont inscrit toute petite en club de danse, comme voilà, beaucoup de mes copines, ça me plaisait. Il y a des fois, certainement, que je ne devais pas avoir envie d'y aller non plus, mais j'avais peut-être pas le choix, j'en sais rien. Mais voilà, ça s'est vraiment inscrit en tout cas dans la durée. C'est plus tard, adulte, que j'ai vraiment compris l'intérêt finalement de continuer cette pratique et qu'elle est devenue plus régulière chez moi. Mais plus jeune, voilà, c'était comme certains font peut-être de la musique ou d'autres activités. C'était l'activité que proposaient mes parents et moi je la suivais sans rechigner. On va croire que j'étais une enfant pas trop compliquée. sans doute. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu ce point de bascule justement et que vraiment tu commences à vraiment t'impliquer beaucoup plus personnellement dans le sport?
C'était lors de mes études supérieures, donc j'ai fait une école d'ingénieur et là j'avais plus accès à des infrastructures de type gym, donc j'ai commencé à pratiquer dans mon petit appartement étudiant. Donc je faisais des petites séances à la maison assez simples et pendant un an j'ai fait ce qu'on appelle une césure, donc un départ à l'étranger et je suis restée au Brésil où la culture du fitness, un petit peu comme aux États-Unis, c'est assez contradictoire. À la fois la population a de mauvaises habitudes alimentaires, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le surpoids, etc. Et à l'inverse, il y a une culture du fitness qui est très implantée, surtout chez la femme. Chose qu'à l'époque, c'était en 2012, c'était pas du tout le cas en France. Donc j'ai découvert finalement un petit peu une autre facette du fitness. Et ça n'a pas été ce qui, je dirais, a fait qu'aujourd'hui je pratique tous les jours, mais ça a été un point de départ. Ça m'a plu et c'est ce qui m'a poussée, je dirais, peut-être à pratiquer un petit peu plus et surtout à m'intéresser à ce sport en particulier. Tu disais précédemment que tu étais ingénieur. Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie quand tu étais petite? Tu te souviens? Alors j'ai toujours été très créative, donc Oui. je voulais créer quelque chose. Donc ça a commencé Ok. par tout ce qui était création cosmétique. Au fur et à mesure de mes études, je me suis dirigée plutôt vers l'agroalimentaire. Donc là, toujours dans la création, mais j'avais le souhait de travailler dans de l'agroalimentaire, sur de la création de produits et autres. Finalement, j'ai pas terminé là-dedans, mais ça a quand même pas mal aidé. Bah, c'est clair. Ouais, mais voilà, j'ai toujours été dans des, en tout cas, dans des métiers assez créatifs qui stimulent, voilà, en tout cas ma créativité. Et je pense que ça m'aurait plu si je l'avais fait. Écoute, la vie est longue, pourquoi pas? Tu peux continuer. Une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les valeurs les plus importantes que tes parents t'aient transmises? C'est quoi ce qui te vient à l'esprit? Oh, c'est dur comme question. En fait, la relation avec mes parents a toujours été assez naturelle. Il n'y a jamais eu spécialement, entre guillemets, de forcing sur telle ou telle chose. Donc, je ne peux pas vraiment dire que j'ai des valeurs qui ressortent l'une plus que l'autre. Mais voilà, mes parents ont, je pense, comme beaucoup de personnes, hein, m'ont inculqué le travail. Évidemment, l'école, c'était important. Le sport, donc la balance dans la vie entre les études, mais aussi la vie personnelle à côté. Voilà, il y a plein de petites valeurs comme ça qui, je pense, sur le long terme, m'ont aidé à me forger. Quand j'ai eu 17 ans, donc je suis partie à l'autre bout de la France pour mes études. Donc, pareil, mes parents m'ont rien dit de spécial. Ils m'ont pas encensé, félicité, ni quoi que ce soit. Mais mine de rien, leur confiance et le fait qu'ils me rendent autonome, je pense que ça a été une étape qui a été cruciale dans ma carrière, dans ce que j'ai osé entreprendre, etc. Si j'étais restée dans mon foyer jusqu'à 25 ans, peut-être que ça aurait été différent. Mais voilà, je pense que c'est un cumul de petites choses qui ont fait que ça m'a poussée à être autonome, à entreprendre, à essayer des choses et pas avoir peur de le faire. Mais après, voilà, Complètement. disons que tout s'est fait assez naturellement au final. Bah écoute, c'est le mieux. J'aimerais parler entrepreneuriat maintenant parce que bah t'es très présente sur les réseaux et notamment sur YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pendant le confinement t'ont connu. Ça a explosé à ce moment-là, on en parlera peut-être plus tard. Mais depuis, bah, tu as tracé ta route et tu as créé en fait donc ton entreprise Train Sweat Eat. Et donc ça, c'était en 2018. Est-ce que, et ensuite TSUS Athletics, en fait finalement derrière l'image un peu lisse de l'influenceuse, j'aime pas forcément le terme, mais de la personne qui bah, crée du contenu, finalement il y a aussi beaucoup beaucoup de choses. Et ça j'aimerais bien en parler, parce que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte déjà de ça, et puis aussi comprendre justement bah, comment est-ce que tu as monté ce business qui est, je trouve, ultra complet et intéressant dans le temps. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe en 2018? Pourquoi est-ce qu'en 2018, tu décides de créer une boîte qui est un programme, quoi, enfin une plateforme, en fait, si je comprends bien, avec des abonnements pour suivre des programmes de fitness, muscu, nutrition, etc. En fait, j'ai commencé donc les réseaux en 2009, donc ça fait 14 ans, et assez rapidement, j'ai commencé à partager des programmes gratuits qui s'intitulent donc les Bikini Ecstasy. Donc on a fêté le 10e anniversaire cette année, et c'était vraiment un programme, et c'est toujours qui cartonne auprès de la communauté et que j'ai réitéré à chaque printemps pour les filles qui me suivaient. Et c'est vrai qu'en 2008, j'ai eu envie d'aller plus loin, mais étant donné que c'est un programme qui était diffusé gratuitement et qu'à cette époque, voilà, comme je l'expliquais, pas énormément, et forcément la production c'est quelque chose qui a un coût, j'ai commencé à réfléchir finalement à un système payant qui me permettrait de pouvoir
moins et partager ce que je partageais sur la période d'un mois à ce moment-là, de pouvoir le faire finalement toute l'année. Donc ça a été un petit point, enfin un petit peu le point de départ, sachant qu'à ce moment-là, je connaissais donc Tini, mon compagnon, depuis 2 ans déjà, fan de sport et qui partage beaucoup de mes valeurs. Je lui ai dit, écoute, je pense qu'on a un truc à faire. Moi, j'ai plein d'idées, mais toute seule, j'y arriverai pas. J'ai eu la lucidité de me rendre compte. C'est clair. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'avec le recul, c'est le meilleur choix. Et je lui ai dit, est-ce que tu as envie de travailler avec moi sur le projet, sachant que, évidemment, il travaillait déjà à côté. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé un jour, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie, dans un café pas très loin de chez moi. On s'est posé, on a ramené l'ordinateur et on a fait une espèce de plan, quoi, hein, si on peut appeler ça comme ça, de l'idée, du projet, de ce qu'on voulait en faire. Et l'objectif, c'était vraiment de créer finalement la plateforme que moi, j'aurais aimé avoir à l'époque où je me suis lancée. Et on y a mis tout ce qu'on aimait et tout ce qu'on aurait aimé trouver. Et c'est comme ça que le projet est né, quoi. Alors, génial, plein de questions, j'adore ce genre d'histoire. Déjà, quand même, un point important, c'est qu'en fait, si j'ai bien compris, ça faisait déjà 10 ans que tu créais des contenus avant, oui, finalement, que tu crées ta boîte. Absolument, oui. Donc, enfin, remettons les choses en contexte. Oui. Le temps au temps, c'est quand même un vrai truc parce que c'est pas tout de suite, t'as dégainé. Et donc, on peut peut-être se dire que t'as été assez patiente sur ce coup. Mais totalement, et c'est vrai que c'est... Franchement, je pense que c'est quelque chose qui est important parce qu'au final, il faut être prêt, je pense, quand on lance une entreprise à se donner. On sait que c'est difficile, mais on ne mesure pas toujours à quel point. Et je pense que finalement, cette assiduité que j'ai eue, je n'ai pas forcément de mérite, je l'ai fait naturellement et petit à petit, ça m'a peut-être finalement un petit peu formée et préparée à me lancer ensuite dans l'entrepreneuriat avec toutes les complications qu'on connaît. Et ça a un peu préparé le terrain, je pense, parce que c'est vrai que si finalement j'avais commencé peut-être par ce bout-là dès le départ, ça aurait peut-être été un échec parce que j'aurais peut-être pas été prête finalement à 20 ans ou autre, alors que finalement à 26 ans, je pense que je commençais à avoir la maturité qui m'a permis de me lancer sérieusement dans le projet. Ouais. Non, mais et puis c'est quand même cette fameuse phrase, tu sais, les succès d'un jour qui ont mis 10 ans, quoi. Enfin, exactement ça. Donc ça, c'était la première chose que je voulais pointer du doigt. Et puis deuxièmement, en fait, j'adorerais, si tu t'en rappelles, que tu m'expliques un peu les premières idées quand vous lancez la plateforme, enfin en tout cas quand vous envisagez avec Tini de la lancer, parce que tu vois, ce moment où tu commences à mettre sur papier tes idées, j'aimerais comprendre à quel point c'était abouti et finalement ça s'est révélé, la version que vous avez sortie, conforme à cette première vision où finalement vous l'avez fait beaucoup évoluer. Eh bien les deux finalement, parce que dans l'essence même du projet, on a été finalement assez conforme à ce qu'on fait encore aujourd'hui. C'est assez simple, l'application s'appelle Train, Sweat, Eat et finalement c'était les 3 piliers qu'on souhaitait aborder. Donc le train, c'est la partie musculation en salle, davantage représentée par Tini. Le sweat, c'était la partie entraînement de type conditioning, donc on peut faire à la maison ou n'importe où ailleurs, mais disons pas cantonné à une salle de sport. Et le HIIT, c'était la partie nutrition qui compte beaucoup pour nous, qui est toujours abordée sur l'application. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers qui finalement n'ont pas changé tant que ça. En revanche, ce qui a énormément évolué après, c'est le support. C'est la qualité du contenu qui est proposé, c'est la variété du contenu qui est proposé. Et ça, en 4 ans, c'est vrai qu'il y a eu une évolution assez fulgurante. On a commencé avec un site pendant les 4-6 premiers mois, pendant lesquels on a rapidement travaillé sur une application. Et aujourd'hui, l'application, on l'a refaite 2 ou 3 fois en jetant complètement l'ancienne, en repartant de zéro. Donc voilà, il y a eu vraiment plusieurs étapes avant d'arriver à ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Alors aujourd'hui, en parallèle de ça, tu as la marque TSE Athlétique, oui, qui propose des vêtements de sport. Oui. Tu gères ton YouTube, tu fais ton sport, tu as une vie à côté, tu es présente sur les réseaux. Donc ça fait beaucoup de choses. Et donc, je vais être obligée de te poser la question qui tue, parce que tout le monde va me dire si tu ne la poses pas, si tu ne fais pas bien ton travail, Pauline. Comment est-ce qu'on s'organise dans la vie pour arriver à gérer ça et, j'ai l'impression, garder le sourire et la pêche dans ton cas? Et deuxième peut-être question, est-ce qu'en fait c'est quand même assez difficile et que du coup t'es en galère quand même au niveau de l'organisation, et j'aimerais bien que tu sois honnête évidemment là-dessus parce que je pense que ça aidera beaucoup de monde, ou est-ce qu'en fait non, t'as réussi à trouver une organisation qui te convient bien? Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses et ce qui est le plus dur, je dirais, c'est qu'on fait des choses très différentes. Moi, ce qui est le plus difficile à gérer, c'est la charge mentale, dans le sens où c'est pas finalement la longueur de la journée ou le nombre de tâches à faire, c'est leur variété. C'est vrai que cumuler
une entreprise qui est finalement du digital, une application en ligne, c'est toute une partie finalement de notre activité. Être sur les réseaux, ça en est une autre. Lancer depuis un an une gamme marque d'activewear, c'est encore un métier qui n'a rien à voir. Et finalement, c'est toutes ces tâches cumulées qui, à la fin de la journée, font qu'on peut avoir clairement, parfois, et je dirais même souvent, la tête qui explose. Moi, j'ai appris à structurer mes journées. Donc, j'ai une routine qui est millimétrée au quart d'heure près. Donc, si je te montrais mon téléphone, je vais te montrer. J'ai des réveils pour absolument tout ce que je fais dans mes... Incroyable. Voilà. Ça, c'est ma journée. Donc, vous ne le voyez pas, messieurs, dames, mais c'est... il y a des... donc littéralement des réveils sur iPhone avec tous les quarts d'heure, quoi, quelque Exactement. Chose. Exactement. J'ai le réveil, j'ai l'heure où je dois prendre... Donc, physiquement, tu fais un réveil. C'est intéressant, ça. Ouais. C'est la première fois que je vois ça. Ah pour ouais. Pour te sortir de ce que tu es en train de faire, quoi. Et franchement, je pense que c'est une très bonne astuce et j'ai même un réveil pour aller dormir. C'est incroyable. Ouais. Ah, mais je suis obligée parce que sinon, tu vois pas les heures passer. Et puis finalement, le soir, tu te mets à dîner, il est 22h et puis tu te couches à 1h du matin. Sauf que quand le réveil sonne à 6h, après, tu tiens pas ta journée. Bah ouais. Donc, comment t'as mis ça en place? Enfin, je te pose la question parce que j'envisage du coup de le faire. Je trouve ça assez cool. Parce qu'en fait, j'oubliais toujours de faire ce que j'avais à faire. Je voyais pas l'heure passer. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il faut que je mette un réveil pour pas oublier, n'importe quoi, de prendre mon shaker protéiné. Et donc, à 11h30, j'ai mon réveil qui sonne pour prendre mon shaker protéiné, par exemple. D'accord. Quoi. Et je structure comme ça toute la journée. Effectivement, oui, ça m'aide à respecter ma to-do list. Bah ouais. À te forcer, quoi. Ouais. C'est ça, exactement. Je me force, entre guillemets, à respecter cet agenda. On sent le côté discipline du sport, tu vois, et j'adore ces parallèles qui est en train de s'insérer dans le monde professionnel, quoi, et dans l'entrepreneuriat. Mais on est obligé, et c'est vrai que pour répondre à finalement un peu la deuxième question, non, c'est clairement pas facile tous les jours. C'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on partage sur les réseaux, parce que la journée est tellement remplie que finalement on y partage les choses les plus chouettes, les plus sympas, le sport, un restaurant avec les amis, ce genre de choses. Mais la partie business, elle est très lourde, et comme tu le disais, je pense que les gens ne l'imaginent peut-être pas. Et après, c'est pas ma volonté forcément non plus de me faire plaindre toute la journée, donc on le fait pour soi, pas pour le raconter aux autres. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il y a des jours, on en a clairement marre. Mais ce qui nous fait tenir, c'est qu'on aime le projet. On a choisi un projet passion, donc c'est ce qui nous fait tenir, même malgré les difficultés, je dirais, parce qu'on connaît la finalité, on connaît l'objectif et on ira jusqu'au bout. Mais il y a des périodes compliquées, très très clairement, ouais. Vous avez une équipe de combien de personnes actuellement? Environ 25. Ouais, donc ça commence à être très solide. Hein. Et c'est peut-être sincèrement la partie la plus difficile du business. On s'est lancé, on était deux, on a été trois, quatre, mais finalement, on n'a aucune connaissance et expérience en management d'équipe. Là, on s'est entouré d'un directeur opérationnel récemment depuis quelques mois. Vachement bien. Voilà, qui a plus de 50 ans et donc toute l'expérience qu'il nous manquait. Et ça nous aide énormément. Et finalement, ça nous permet aussi, nous, de nous recentrer un petit peu sur le cœur du métier et de ne pas passer nos journées finalement sur de l'opérationnel qui n'est pas très productif parce que c'est pas, un, notre passion, et de deux, c'est pas forcément ce qu'on sait bien faire. Donc, tu vois, ça aussi, je me permets un petit insert, oui. Mais c'est hyper important parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, et j'espère que tu le prendras pas mal, mais qui se disent, en fait, j'ai créé une boîte, c'est pour que je sois la dirigeante ou le dirigeant de la boîte. Et notamment les femmes, d'ailleurs, je pense, se mettent pas mal la pression là-dessus. Mm-hmm. Mais en fait, si c'est pas l'opérationnel n'est pas ce qui te fait vibrer et là où t'es le meilleur, j'ai l'impression que la décision que vous avez prise est hyper mature. Et j'aimerais bien, si tu l'acceptes, que tu creuses un petit peu et que tu me dises comment est-ce que vous avez pris cette décision. J'imagine que vous en avez parlé avec Tini, c'est pas facile non plus. Est-ce que tu acceptes de m'en parler un peu plus? Oui, bien sûr. En vrai, ça n'a pas été si difficile finalement. Je pense que lui comme moi, on n'est pas des personnes qui avons énormément d'ego et on sait reconnaître quand on n'est pas les meilleurs. Par exemple, sur l'application, rapidement, on a fait appel à d'autres coachs pour apporter leur expertise dans d'autres disciplines, alors que certains, peut-être veulent garder finalement un petit peu la lumière, entre guillemets, hein, sur eux. Nous, on n'était pas dans cette optique-là. Et c'est vrai que par rapport à l'entreprise, pareil, on a reconnu nos limites. On les a constatés très clairement et c'est là qu'on s'est dit il faut qu'on s'entoure de personnes qui ont l'expérience qu'on n'a pas pour continuer de faire vivre le projet à toute l'entreprise et c'est comme ça que finalement
la structuration de l'entreprise est construite, puisque pendant longtemps, finalement, on a été en direct avec 10, 15, puis 20 personnes. Et on commence petit à petit, voilà, à structurer, à mettre des directeurs, des responsables, etc., pour aussi le bien de tous. Et je pense que c'est indispensable d'arriver à un moment de maturité, quoi, dans le business. Ouais. Hyper bien. Ouais. Tu disais donc la partie humaine, c'est le plus difficile. Est-ce que tu as des... On ne va pas dévoiler des trucs évidemment qui ne se diraient pas, mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur les plus grands challenges en fait que vous avez eu dans la création de ces marques? Il y en a eu tellement. Opérationnellement, déjà, quand on s'est lancé dans la création de l'application, ça a été... on a connu tellement de problèmes. Les bugs. On n'était pas forcément entouré des bonnes personnes, mais comme ce n'est pas notre métier de base, ni Tim ni moi, on ne savait pas. Donc, on s'en rend compte quand c'est trop tard. Et puis, lorsqu'on a une communauté en ligne qui est très engagée, c'est pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Donc, ils ne vous pardonnent rien. Ils vous le pardonnent après, mais pas sur le moment. Donc, on a eu des galères. Tini s'est retrouvé à faire du SAV nuit et jour pendant 15 jours avec toute sa bande de copains qu'on avait recrutés parce que l'application marchait plus. On a eu des galères comme ça, je les compte même plus. Dans le textile, pareil, là, on est encore dépendant des fournisseurs, c'est encore un autre monde. Et en ce qui concerne plus la partie interne à l'entreprise, pareil, le fait d'avoir finalement une boîte qui grossit assez rapidement, il y a 4 ans on était 2, il y a 2 ans je dirais on n'était même pas 10 et aujourd'hui on est 25. Et c'est peut-être ça finalement la plus grosse difficulté, c'est grossir pas trop vite, pas trop doucement. On se dit toujours qu'on est 25, on pourrait être 50, mais pour autant on n'a pas envie de recruter à tout va parce qu'on ne saura pas le gérer derrière. Donc c'est absorber la quantité de travail avec la team, savoir l'organiser et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve à la fin de sa semaine, quoi. C'est pas simple. C'est clair, à qui le dis-tu? Et est-ce que t'as déjà eu des coups de mou? Je parle au niveau entrepreneurial, mais même dans l'absolu, dans ta vie, parce qu'on te voit si tellement dynamique, tellement souriante, et je pense que d'ailleurs, ça n'était peut-être pas tous les jours facile de garder cette image qui pourtant plaît à ton audience. Et je dis pas plaire au sens négatif, tu vois, de c'est faux, mais au sens de ça les motive, et donc je comprends que tu le fasses parce que c'est aussi ce qui leur apporte de la valeur. Mais d'un autre côté, pour toi, c'est peut-être pas tous les jours facile quand t'es crevé et que t'as pas envie, quoi. Ouais, non, c'est pas tous les jours facile. Après, encore une fois, le fait d'avoir un métier passion, je pense que c'est ce qui fait toute la différence. Dans les moments où c'est difficile, que ce soit par rapport aux réseaux sociaux, que ce soit par rapport à Trend Sweat It, on essaie de se rappeler pourquoi on l'a fait, ce qui nous stimule, prendre du recul et finalement de se recentrer sur les choses positives. Donc, ça n'empêche pas que des fois, on passe clairement des mauvaises soirées, mais... quand c'est comme ça, je le montre pas, mais c'est pas pour autant que je vais être toute souriante sur les réseaux aussi. On prend un peu de recul et le lendemain, on se dit, nouveau départ. Puis, on est relativement action-réaction. Quand quelque chose qui va pas, on n'attend pas 100 ans pour le régler. Dès le lendemain, déjà, on s'attelle à trouver une solution. Donc, on essaye de faire ce qu'il faut pour nous aussi, psychologiquement, passer à autre chose, je dirais. Et pas rester dans cette situation et macérer dedans, c'est pas bon, quoi. Tu disais, on prend du recul. Vous avez un truc, une astuce entre vous pour prendre du recul? Ça veut dire quoi concrètement? C'est déjà peut-être s'accorder un petit peu plus de temps à soi. Ça, c'est vrai que au quotidien, on n'en a pas énormément. On a pris un chien pour cette raison-là assez récemment, depuis 6 mois. Et la volonté, c'était ça. C'était finalement de, pour une fois, faire quelque chose qu'on a envie de faire, mais qui n'est pas facile. On avait envie depuis des années, puis on le faisait pas parce que pas le temps, on est tout le temps au bureau, ceci, cela. Et puis finalement, je me suis dit, attends, si tu prends pas un chien à 32 ans, alors que t'as même pas d'enfant, tu vas jamais le faire. Et ça nous forcera à déconnecter, etc. Et au final, c'est le cas. Donc c'est encore une contrainte supplémentaire, mais qui est pour le meilleur. Donc ça, par exemple, ça représente bien ce qu'on pourrait faire. Et après, dans le business, ça va être prendre un peu de recul avec l'opérationnel. Ça m'est déjà arrivé dans des moments un peu compliqués. Aujourd'hui, je n'ai pas au bureau. Je ne me plonge pas dans l'opérationnel. Tant pis, on perdra un jour sur le planning. Ce n'est pas grave. Mais je me recentre sur ce qui me stimule. Je vais passer une journée à faire des brainstorming, à m'inspirer de ce qui m'a fait commencer au départ, etc. Et hop, le lendemain, déjà, ça va un peu mieux et on repart, quoi. Si ça te va, j'aimerais bien maintenant parler un peu plus donc, de la partie réseau, plus spécifiquement. Et ma première question, c'est quoi pour toi les idées reçues,
les plus nuls ou d'une certaine manière qui t'irritent le plus sur ce métier du monde de l'influence, de YouTube, d'Instagram, tout ça, que tu pourrais partager avec nous? Il y en a tellement. C'est pour ça que je te pose la question. Il y en a tellement. Après, je pense que toutes ces idées reçues, comme quoi, bon, ce n'est pas un métier, les gens qui sont dessus passent leur temps à fumer leur vie et font rien d'autre, que c'est facile, finalement, voilà, toutes ces choses-là, entre guillemets, on les comprend aussi. Pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas. C'est plutôt ça. Moi, pendant longtemps, même auprès de ma propre famille, elle se filme dans sa chambre. Et pourtant, ça faisait peut-être presque déjà 10 ans que je le faisais. J'étais super équipée, c'était professionnel, quoi. Et les gens ne connaissent pas l'envers du décor suffisamment pour comprendre finalement que c'est un métier, certes passion, mais quand même très difficile. Et après, finalement, est-ce qu'on a envie de le montrer? Est-ce qu'on a envie de dire, vous voyez, quand je vous filme des stories et que ça vous semble cool quand je suis en vacances, au final, pour moi, c'est à moitié pas des vacances, du coup. Et voilà, c'est aussi pour ça que les gens ont tendance à penser ça. Donc, comme pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. Moi, je leur en veux pas tant que ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'idées reçues, des fois, qui peuvent irriter. Comme en ce qui me concerne, j'entends souvent lire, si, elle a le temps de faire du sport, en même temps, c'est son métier. Mais aujourd'hui, pas du tout. Mon métier, c'est pas du tout de faire du sport. Je suis 10 heures par jour derrière un ordinateur, comme la plupart des gens. Et je me lève une heure plus tôt pour m'entraîner à 7 heures du matin, quoi. Bon. Mais après, je pense que les gens croient aussi ce qu'ils veulent croire, tout simplement. C'est plus facile, de toute façon, de dire que c'est un coup de bol qui fait que ça a marché, alors qu'on voit bien que finalement, c'est des années de boulot, quoi. Si on parle plus spécifiquement de la pâte Sissi Mua, déjà, pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'histoire, est-ce que tu peux nous dire en fait pourquoi le mot Sissi Mua, quoi ? D'où ça vient ? Oh, à chaque fois, on me pose la question et ça n'a rien de très glorieux. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, il y avait 14 ans, du coup. Comme quoi, un nom, on s'en fout un peu, quoi. c'est totalement ça. J'ai créé ma chaîne... pas forcément dans l'optique d'y poster des vidéos, c'était simplement pour suivre les quelques youtubeuses beauté à l'époque que je suivais et que j'aimais regarder. Donc j'ai créé ce pseudo en dérivant, parce que on veut toujours prendre le pseudo qui nous parle et puis il est déjà pris, donc on y rajoute des trucs derrière, des chiffres, on teste un peu tout, et de fil en aiguille ça a terminé là-dessus, et aujourd'hui c'est totalement mon identité, quoi. Et t'as pas envisagé de le changer à un moment donné, je sais pas, pour y apporter une patte moins beauté, parce que donc Mua, ça veut dire make-up artist, c'est ça, ouais, addict, c'est ça. C'est ça, et je me suis posé la question à un moment donné, et finalement, ça faisait déjà 2-3 ans, à l'époque en plus, la communauté était microscopique par rapport à aujourd'hui, et je me disais, non, c'est déjà mon identité, maintenant c'est trop tard, et je l'ai gardé jusqu'aujourd'hui. Bon, et sinon, au-delà du nom... je serais curieuse de savoir si tu as réfléchi, et si c'est conscient ou pas, à certains codes, en fait, qui sont les codes Sissi Mua. Parce qu'il y a plein de personnes aussi qui s'intéressent au marketing, tu vois, qui nous écoutent. Et finalement, tu as quand même une patte, je trouve, particulière. Est-ce que c'est complètement naturel, ou est-ce qu'avec le temps, ça a un peu évolué parce que tu t'es rendu compte que les gens aimaient telle ou telle chose, par exemple ? Je dirais que ça s'est forgé et renforcé avec le temps. C'est vrai que ce que les gens peuvent percevoir de moi sur les réseaux, ça me représente à 100%. Alors non, je dirais pas 100%, parce qu'il y a peut-être une partie de moi qui voit pas, celle de la patronne un peu relou. Ça, c'est les 10% qui voient pas. Mais sinon, disons que ça me représente dans ma sphère personnelle, c'est totalement ma personnalité. En revanche, ça s'est renforcé aussi avec ma présence sur les réseaux. Puisque en constatant aussi que les gens accrochaient finalement à cette personnalité, naturellement et peut-être inconsciemment, je l'ai aussi renforcé. Par exemple, ce qu'on a pu percevoir de moi pendant les lives, pendant 3 mois, tous les soirs, cette personnalité qui faisait beaucoup rire les gens, avec Tini, on se chamaillait, je racontais toujours des bêtises, des choses comme ça, ça s'est fait naturellement au début, et puis après, c'est devenu finalement un petit peu mon identité aussi. Et c'est ce qui a fait que les lives ont certainement marché comme ils l'ont marché. Mais par contre, ça n'a jamais été forcé, et c'est, je pense, ce qui est important dans le marketing d'influence, c'est que quand on essaye de se créer une identité digitale, je pense qu'il faut qu'elle nous représente et qu'on soit à l'aise avec celle-ci. Je sais pas, mais pour les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui essayent en tout cas de se créer un personnage, je suis pas certaine que ce soit la bonne voie.
Mais par contre, après, évidemment, renforcer peut-être ce qui plaît à la communauté. Ouais. Voilà, c'est juste accentuer ce qui est déjà là, mais le forcer, on va dire, un peu plus, quoi. En tout cas, c'est ce qui a été, je pense, on va dire, positif pour moi. Peut-être que ça peut être différent pour d'autres. Ouais. Et alors, justement, je voulais parler un peu de manière générale des facteurs clés de succès sur les réseaux, donc YouTube, Instagram en particulier, mais peut-être surtout YouTube. Parce que, en fait, c'est ultra compétitif. Enfin, il faut quand même le dire. Et c'est pour ça que ça me fait toujours un peu rigoler quand les gens disent « Ah bah oui, mais bon, ça n'est qu'une influenceuse. » Je me dis « Bah oui, c'est pas si facile, en fait. Hein. Y a quand même beaucoup de gens qui essayent. » Et donc, qu'est-ce qui, pour toi, si t'arrives à prendre un peu un espèce de recul fou là, sur les 4 ans, les 14 ans de présence, de création de contenu, qu'est-ce qui, pour toi, a fait la différence qui explique que t'as réussi à surperformer, si je parle en termes business, si tu veux, à surperformer par rapport au marché? Alors, je ne sais pas si ça sera encore d'actualité aujourd'hui, sincèrement, mais en tout cas, voilà, pour ces années-là et l'époque où vraiment les réseaux sociaux ont décollé, pour en revenir à ce qu'on venait de dire, l'authenticité. Je pense que c'est ce qui a vraiment fonctionné pour moi, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'enjeu business, il n'y avait pas finalement le moindre objectif, donc toutes les personnes qui s'insaient sur les réseaux sociaux étaient naturelles, et je pense qu'en ce qui me concerne, c'est finalement ce côté peut-être accessible, accessible, authentique, un peu déculpabilisant pour le secteur du fitness, où il y a 10 ans, on baignait dans un milieu de bodybuilders, de personnes qui ont une pratique relativement extrême pour le commun des mortels. Et oui, donc tu avais une différenciation assez forte quand même, parce que tu étais un peu la seule à parler de fitness de manière décomplexée et sans dire... Totalement. Et je pense qu'en fait, les femmes se sont identifiées. J'avais à la fois une certaine expérience personnelle qui me permettait de leur donner des conseils, etc., et qui ont fait qu'elles m'ont suivi parce que je leur apportais quelque chose, sans pour autant rendre tout ça inaccessible. Et encore aujourd'hui, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Quand on conseille des personnes, même avec notre propre application, le mieux, c'est qu'ils s'entraînent tous les jours, qu'ils consomment le service quotidiennement. Mais c'est pas ce qu'on recommande. Je leur dis toujours, oui, moi, je m'entraîne quasiment quotidiennement. Est-ce que tu as besoin de le faire? Pas du tout. Déjà, faire du sport 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais statistiquement, c'est déjà mieux que 80% de la population française. C'est déjà un exploit. Mais c'est vrai, c'est déjà un exploit. Et finalement, de remettre un peu les choses dans leur contexte et rendre finalement tout ça accessible, parce qu'on n'a pas tous la même même objectif. Et moi, je dis toujours, dans la vie, c'est une question de priorité et on n'a pas tous les mêmes priorités. Et je pense que c'est ce qui a plu aussi à nos abonnés, à nos clients aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'ils n'avaient pas besoin finalement de faire des efforts surhumains, mais que une pratique sportive, un mode de vie plus sain pouvait s'intégrer dans leur quotidien relativement facilement. Et même à l'époque de mes réseaux sociaux, sans parler de Trendsweatit, je pense que c'est ce discours qui a fait que les personnes ont adhéré. Elles ont senti que c'était à leur portée, quoi. Tu disais, c'est intéressant, en préambule, donc le côté authentique, ça a été concrètement l'un des facteurs clés de succès, mais paradoxalement, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça soit encore le cas. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Les codes changent sur les réseaux sociaux et moi-même, pour dire sincèrement, j'ai un peu de mal à les comprendre parfois. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus la même proximité, je pense, avec les influenceurs, les créateurs de contenu qu'on aime suivre. On suit plus peut-être une vitrine, finalement, comme à l'époque, on suivait les stars qui étaient célèbres. Peut-être, voilà, on n'est plus dans le même rapport avec l'influenceur qui partage son quotidien, qui partage son positif, son négatif. Aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression en tout cas que ce sont davantage des vitrines et qu'en tout cas, la relation créateur et communauté est un petit peu différente. Mais après, c'est peut-être ma perception et c'est pas une généralité, hein, mais oui, j'ai l'impression que les codes changent avec le temps. Ouais. C'est intéressant. Aujourd'hui, ça continue à t'éclater de créer du contenu ou tu as quand même une forme de lassitude qui s'instaure parce que je peux imaginer qu'au bout de 14 ans, bon, t'en as déjà fait pas mal des vidéos quand même. Oh là là, des vidéos. Alors sur ma chaîne YouTube, je crois que j'en ai 1000 et quelques. Des séances de sport sur mon application, j'en ai fait plus de 700. J'ai regardé l'autre fois. Incroyable. Et voilà, des posts et des stories, je pense qu'on les compte même plus. Y a des choses que j'aime toujours autant, des choses que j'aime un peu moins. Et c'est vrai que finalement, mes centres d'intérêt changent aussi hein, avec le temps, la maturité. Quand je regarde ce que je faisais il y a 10 ans, je me dis, mais c'est pas vrai, je partageais vraiment ça. Et oui. Mais je pense que le contenu évolue avec moi. Quand j'ai lancé Trendsweatit, on m'a un petit peu reproché finalement de, entre guillemets, pousser mon entreprise au quotidien. Et c'était pas forcément commercial, c'était simplement que Trendsweatit devenait mon quotidien et que mon quotidien, c'était plus mettre en scène ma vie, c'était finalement être chef d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est vrai que mon contenu est un petit peu plus axé là-dessus.
sans rentrer dans les grands détails de la vie de l'entreprise, j'aime partager l'envers du décor, les backstage, faire participer la communauté, par exemple, à un sondage de coloris sur la prochaine collection TSU Athletics. Et c'est vrai que du coup, le contenu a évolué et peut-être, en tout cas, sur certaines plateformes, s'adresse peut-être plus à une population qui est de ma génération ouais. qu'à une personne qui a 16 ans, forcément. Ouais, j'imagine. Mmh. Hyper intéressant. Dernière question sur l'entrepreneuriat avant qu'on passe à mon grand crible. Comment finalement vous répartissez les rôles avec Tini ? Donc j'ai compris que maintenant il y a aussi ce directeur opérationnel. Mm-hmm. Vous deux, c'est vraiment fonctionnel au sens où lui c'est muscu et toi, donc je ne me rappelle pas comment tu as appelé ça, la partie plus. La partie sweat. Voilà, pardon, sweat. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est autre chose ? Non, c'est complètement différent. Ça, c'était vraiment en fait la répartition pour la création du contenu diffusé dans l'application. Okay. D'un point de vue opérationnel, alors bien qu'on ait un directeur opérationnel, on fait encore énormément d'opérationnel. On ne se pointe pas qu'en réunion pour regarder le travail fini. J'aimerais bien, mais on n'en est pas encore le là. Goal. On te le souhaite. C'est clair, on y croit. Et d'un point de vue opérationnel, on a vraiment une répartition qui est assez à la fois cloisonnée et pas tant que ça. Lui s'occupe beaucoup plus de ce qui est technique. Donc, sur l'application, c'est lui qui va gérer la partie avec les développeurs, tout ce qui va être nouvelles fonctionnalités, entretien de l'application, toutes ces choses-là. Alors que moi, je suis beaucoup plus sur la partie créative, évidemment. Ça va être plutôt le branding, la com, le marketing, la création de contenu, l'univers des programmes, l'ADA, toute cette partie-là. Mais après, par contre, en réunion, on participe aux mêmes réunions à deux. Mais... D'accord. Voilà, parce qu'on aime être au courant de ce que fait l'autre, donner notre avis. En revanche, c'est lui qui va gérer plus l'un et moi plus l'autre quand il s'agit après de prendre des décisions et de gérer finalement le quotidien. Mais donc c'est pour ça que je disais, on est à la fois très cloisonné dans la répartition des tâches et à la fois, finalement, c'est assez flou parce qu'on fait un peu les deux en même temps, quoi. C'est quoi ton ambition, ou plutôt votre ambition pour TSE Athletics et puis pour Train Sweat Eat? C'est quoi le rêve, en fait, le rêve fou que vous aimeriez atteindre? Le rêve, ça serait tout simplement de devenir les marques de référence en ce qui concerne l'application, donc l'entraînement en ligne, mais aussi au niveau de l'activewear. On a une vision assez particulière de l'activewear qui se fait assez peu en France. Et c'est vrai qu'on espère en tout cas devenir une référence dans ce domaine-là en particulier. Comme pour la partie nutrition aussi, parce qu'on a une gamme de compléments alimentaires qui s'appelle TS Nutrition, où là, on est sur des produits qui sont végétaux, puisqu'on est tous les deux végétariens depuis une dizaine d'années. Donc voilà, on a vraiment des produits qui sont assez niches, que ce soit pour l'entraînement, pour l'activewear ou pour la nutrition, et on espère devenir la référence dans ces secteurs-là. On n'a pas la prétention de devenir le Nike de demain, mais du moins, pour les personnes qui s'intéressent à ces domaines d'activité, devenir les leaders sur le marché. Quoi. Et si on va vraiment... Leader mondial ou... Allez, moi, j'aime bien qu'on monte comme ça de leader mondial, on est d'accord. Bah oui, bon, commencez par la France, après tant le monde. Faire. Bon, tant qu'à faire. Faut commencer quelque part. Exactement, mais tu sais qu'on a une petite blague entre guillemets en interne, on se dit TSE, demain on veut que ce soit le Netflix du sport, on le dit en rigolant parce que c'est trop bien. Tellement loin, mais en même temps c'est tellement stimulant de le penser, donc ça serait notre objectif très long terme. Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Le problème de ça, c'est que je pense que ton planning va être encore plus pourri. Ah, c'est bien vrai, c'est clair. Si t'es ok, Sissi, maintenant j'aimerais bien passer à ce que j'appelle le crible. C'est des questions que je pose à chaque interview et qui sont des questions, tu vas voir, un peu philo, perso, enfin pas philosophique non plus, compliqué, hein, mais... Non, la parce première, que j'ai une mauvaise note en philo. Et moi figure-toi, pas excellente non plus, donc tu vois, on va bien s'entendre. Non, mais je te rassure, c'est plus de la philosophie de vie. Est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec ? Qui est un peu ton échec, je dirais pas favori, parce qu'on n'aime jamais vraiment ça, mais celui qui t'a le plus marqué et qui t'a appris aussi des choses. Est-ce que tu pourrais m'en parler ? Alors, j'ai jamais eu d'énorme échec, quelque chose qui m'a fait tomber au plus bas, au point de jamais repartir ou autre. En revanche, des échecs professionnels, on en a connu plein. Et il faut vraiment essayer de se dire, c'est pas toujours facile, mais que chaque échec peut mener à une leçon et au fait qu'on rebondisse finalement
encore mieux et se servir de ses échecs pour s'améliorer. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et rien n'est jamais foutu. Ça, c'est bien vrai. J'ai eu des périodes un peu down, hein, même sur les réseaux, avant le lancement de nos entreprises. Il y a eu des périodes à vide où on est sur un secteur qui est très difficile, qui est, c'est une montagne russe, hein, ça monte, ça descend. Il n'y a aucune sécurité d'emploi, des périodes qui étaient plus difficiles, où l'audience n'était plus forcément au rendez-vous. Et puis, on se rend compte que 2 ans après, il y a le confinement, pour le pire, mais pour le meilleur pour nous, finalement, parce qu'on a, sans trop y réfléchir, saisi nos opportunités, en lançant des lives, et puis 2 ans après, on est finalement au sommet auquel on n'a jamais été par le passé. Donc se dire que chaque échec est une occasion de rebondir, et c'est ce que nous, on s'évertue en tout cas d'essayer de faire au quotidien. Et même quand on a des difficultés, par exemple, un collaborateur vous lâche et vous dites « Oh là là, mais il était seul en fait sur ce pôle, comment on va faire ?» se dire « c'est le moment pour se remettre en question finalement, pour se renouveler, pour chercher, remettre les mains dans le cambouis, et c'est l'occasion de repartir. » Donc, je dirais que le chemin est clairement semé d'embûches. Il y en a tout le long, il y en aura toujours, mais il faut essayer de le voir au moins, au-delà de dire positivement, au moins comme une opportunité, on va dire. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie pro, perso, dans le sport peut-être, je sais pas, qu'est-ce que tu referais différemment ? Pour rebondir un peu sur la question précédente, sincèrement, je pense que je ferais rien différemment parce que certainement que mes échecs ou mes périodes difficiles ont aussi contribué à faire qu'aujourd'hui on en est là où on en est. Et c'est vrai qu'il n'y a rien où je me dis, enfin des périodes galères, il y en a eu plein, il n'y en a aucune où je me dis, ah c'était l'enfer, j'aurais jamais dû faire ça. Parce que finalement tout a été une occasion de repartir et peut-être que finalement sans ces difficultés, on aurait été bien plus haut aussi, hein, peut-être, mais on le saura jamais. Et ça fait partie du chemin, j'ai envie de dire. Donc, faut pas se poser trop de questions. Moi, je suis quelqu'un qui, sincèrement, avance au jour le jour. Je me pose pas de questions. Il y a des difficultés, c'est comme ça. Il y a des moments cool, c'est comme ça aussi. Et je pense que faut pas trop cogiter parce que sinon, on devient fou. C'est sûr. Qu'est-ce que tu trouves beau? Au sens soit littéral, littéralement, il y a un truc qui, quand tu le vois, tu trouves ça magnifique, ou au sens, tu vois, plus émotionnel, on va dire, quelque chose qui te touche. Oh, c'est... ça, c'est une bonne question. C'est des questions pourries, hein, je t'ai dit, elles sont pas faciles. Je dirais l'accomplissement de soi, mais au quotidien. J'en parle beaucoup dans le secteur sportif avec les personnes qui nous entourent, où finalement chacun a des objectifs à chaque fois différents, parfois plus accessibles, parfois totalement inatteignables. Et moi, je me dis, tu vois, pareil, quand je te dis, je me pose pas trop de questions, finalement, de la même façon, je me lance jamais d'objectifs incroyables. Et quand je côtoie des personnes qui sont satisfaites de leur quotidien, et pourtant, ils ont pas une vie hors norme, ils ont pas fait des trucs de dingue, pour moi, c'est la réussite. C'est de se dire que on se félicite à des petites réussites comme des plus grandes, et je trouve que c'est un cercle vertueux, et c'est comme ça qu'on est heureux dans sa vie, quand ça va un petit peu moins bien, et sportivement comme dans ma vie personnelle, au final j'ai jamais été quelqu'un qui a eu des ambitions de dingue, et pour autant aujourd'hui je connais une réussite qui en tout cas nous rend heureux, nous stimule, etc. Et je me dis c'est peut-être aussi finalement parce que t'as pas essayé à faire des choses extraordinaires et que tu t'es contenté, le mot serait négatif, mais tu t'es, satisfait de la vie que tu cherchais à avoir et que t'allais au quotidien. Et aujourd'hui, tu vois, c'est ce qu'on se dit. Des fois, on te pose des questions dans des interviews. Quel est ton rêve? Est-ce que t'as atteint ton rêve et tout? En fait, non, j'en ai pas spécialement. J'ai la chance de vivre dans une belle région, dans une belle maison, avec ma famille. Je réussis professionnellement, ça me suffit, quoi. Donc, je dirais que ça, c'est ce que j'aime en tout cas entendre chez les autres. Et c'est comme ça que j'aime vivre ma vie. Je comprends. Est-ce qu'il y a à l'inverse quelque chose qui t'irrite? Que quand tu l'observes, ça te gave, quoi. Ça t'irrite, t'aimes pas ses comportements, t'aimes pas... Ouais. Alors ça, pour parler plus dans le quotidien, c'est le manque de loyauté. Et c'est vrai que ça s'est renforcé avec le temps parce que avec le travail, etc., c'est des choses qui ont des valeurs qui sont de plus en plus présentes ou pas, du coup. Et c'est vrai que dans l'amitié, comme dans le travail, dans les relations, j'ai toujours été quelqu'un, je pense être encore, de très loyal, et j'accorde beaucoup d'importance à ça. Et c'est vrai que les personnes qui partagent pas ces valeurs-là, ça me dérange, du coup, on se fréquente plus, tout simplement. Mais c'est des valeurs qui sont très importantes pour moi, et quand on ne partage pas, généralement, ça se passe pas bien.
Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation que tu aimes particulièrement, peut-être que tu te répètes de temps en temps, qui te parle, qui te touche? J'ai une citation sur les réseaux qu'on est d'ailleurs en train, en ce moment même, de, comment dire, de remettre en question, qui est bon, une Ok. citation qui est très connue et qui a rien de très original, mais c'est bah, deviens la meilleure version de toi-même. Oui. C'est ce que j'ai souvent conseillé à mes abonnés, donc plutôt dans le domaine du sport, etc., au départ, et qui rejoint exactement ce que j'ai dit précédemment. Finalement, c'est atteindre ses propres objectifs, se créer la vie qu'on mène, choisir ses propres priorités. Et aujourd'hui, on essaye un petit peu de la rafraîchir. Du coup, professionnellement, on travaille dessus et c'est difficile parce qu'on veut conserver ces valeurs-là, mais en modernisant un petit peu l'approche. Mais je pense que ça représente bien notre philosophie. Bon, bah, si tu trouves une nouvelle phrase, tu me diras, parce que quand Ouais. même, une histoire assez drôle, la baseline, donc enfin, voilà, la légende, entre guillemets, de mon podcast, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Pas trop sportivement, même si tu vois la preuve, tu es sur le podcast, et j'ai eu des grands athlètes, etc. aussi, mais en tout cas, on va dire dans l'état d'esprit. Exactement, ben on se rejoint, Donc, tu vois, les grands voilà, on se aussi, on partage. touche à ma pensée. Encore trois questions pour toi. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Alors, ce que je veux dire par là, c'est un peu ma question non politiquement correcte. En gros, tu constates que le monde autour de toi a une vision qui n'est pas la tienne. Et donc, je serais curieuse de savoir laquelle c'est. Ben exactement, c'est pareil. Je rebondis sur ce que je disais précédemment. Je dis souvent aux abonnés, on a le temps pour ce que l'on a envie et tout est une question de priorité. Et c'est vrai que ça a souvent un rapport au sport, mais pas que finalement. Moi, je constate quand on s'intéresse un petit peu aux personnes qui réussissent ou qui ont des vies bien remplies, que c'est toujours ceux qui en font le plus qui finalement ont le temps pour faire tout ce qu'on fait pas. Et on se dit, mais comment c'est possible? Ils ont trois enfants, un chien, une entreprise incroyable, et puis ils font encore du sport à 4 heures du matin et ils font des marathons tous les week-ends. Et tu te dis, mais c'est Ouais. pas possible. Et finalement, on se rend compte que le temps, quand on veut le trouver, on le trouve, et quand on veut pas le trouver, on le trouve pas. Alors après, ça a certainement ses limites, bien sûr, mais voilà, nous, on avait déjà l'impression d'être au maximum de nos capacités. Bon, on a pris un chien, on se lève 1 heure plus tôt, tu vois. Bon, on l'a Ouais. fait. Et ça n'a rien d'incroyable, mais ça pourrait être 1 heure que tu octroies à ta pratique sportive ou à ta méditation ou n'importe quelle activité qui te fait plaisir. Et c'est vrai que ça, c'est parfois controversé. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais t'as pas d'enfant, tu verras quand t'as des enfants. Ou, oui, mais toi, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Et pour autant, dans ma communauté, j'ai des mamans qui ont deux, trois enfants et qui, pareil, se lèvent à 5 heures pour faire le sport avant de réveiller leur bouchou, quoi. Donc, j'aime à penser qu'on trouve le temps pour ce qu'on veut, malgré, j'ai envie de dire, la pensée contraire. En tout cas, pour l'instant, bon, c'est ce que j'essaye de faire dans mon quotidien, tu vois, d'où les alarmes, le planning. En tout cas, clairement, tu t'en prends le contrôle, quoi. Tu te Voilà. laisses pas faire. Il y a une citation que j'aime bien, moi, pour ton info, mais ça va dans le sens. Là, en anglais, c'est Either you run the day or the day runs you. Donc, soit c'est toi qui gères ta journée, soit c'est ta journée qui te gère. C'est un peu C'est ça. si vrai, c'est si vrai. Ouais. Donc, encore deux questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis? Ça peut être récemment ou pas, hein. Oui, sportivement. Ma pratique a totalement été transformée avec le temps. C'est vrai que jusqu'au confinement, tu vois, ça a été une période un petit peu déclencheuse, moi pas très français, mais pour beaucoup de personnes. Moi, avant, j'étais toujours dans l'objectif de faire toujours plus, faire toujours mieux. J'allais à la salle de sport, je faisais que ça, mais voilà, c'était vraiment le lifestyle de la fit girl par excellence, avec des objectifs physiques, de performance, etc. Et aujourd'hui, ma pratique, elle a complètement changé, elle est diamétralement opposée. Je suis ma meilleure cliente, je m'entraîne avec l'application tous les matins, je m'entraîne 30 minutes, là où avant, j'y passais 1h30. J'y passe 30 minutes le matin et aujourd'hui, finalement, je me focalise plus sur, ok, je veux prendre des faits, ceci, cela. Je me focalise sur avoir un corps en bonne santé, qui est capable, qui soit pluridisciplinaire aussi. Je fais du cardio, enfin, je fais plein de choses que je détestais faire avant. Et finalement, j'ai une pratique qui est plus plaisir aujourd'hui et qui pourtant, je pense, me permet d'être en meilleure santé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc ça, c'est vrai que c'est un avis qui a diamétralement changé. Et je pense aussi peut-être avec la maturité, hein, ça doit y contribuer, manque de temps peut-être. Mais voilà, j'ai totalement changé là-dessus et sincèrement, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Hyper intéressant.
Dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a, alors c'est mon côté un peu nerd des livres, parce que moi j'ai fait des études littéraires. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie? Ça peut être une BD, ça peut être, enfin ça semble un bouquin d'enfant, comme ça peut être un essai philosophique. Mais est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, qui a peut-être même changé ta manière de penser, que tu recommandes autour de toi, dont tu pourrais me parler et pourquoi il t'a autant marqué? Je lis pas mal, mais beaucoup de romans. Donc, bah, c'est bien. Pour te moi dire, aussi. Ouais, quand tu vois, je lis, il est 22h30, 10 minutes avant de me coucher, j'ai envie de me changer l'esprit. En revanche, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé d'Emery Caron, qui est antispéciste et qui aborde finalement un petit peu le rapport de l'homme vis-à-vis des autres êtres vivants qui sont animaux. Et dans ma démarche, en tout cas, de végétarienne, c'est un livre qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup appris et qui a contribué en tout cas à, voilà, aux valeurs que j'ai aujourd'hui. Je suis désolée, je n'ai pas entendu le titre du livre. C'est antispéciste. Antispéciste okay. Ou antispécisme peut-être, j'ai un petit doute parce que j'ai lu il y a de okay. nombreuses années maintenant. Mais c'est un livre voilà, qui aborde ce sujet-là et dès lors qu'on s'intéresse un petit peu à la cause animale, au bien-être animal, etc., il permet vraiment de voir les choses finalement d'une façon assez différente. Moi, j'étais déjà végétarienne à l'époque où je l'ai lu, mais ça fait, je pense, ouvrir les yeux de beaucoup. Donc voilà, livre très intéressant. Ben écoute, je le mettrai dans les notes pour qu'on puisse y avoir accès, je retrouverai ça. Cici, un grand merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme tout ce que tu as fait, tout ton parcours, tes réflexions aussi. C'est très précieux. Ne change pas, s'il te plaît. Si jamais les personnes qui nous écoutent ont envie de te retrouver, bon, bah, ça se passe un peu partout, hein, sincèrement. Donc déjà sur les réseaux, c'est quoi tu passes plus de temps sur quel réseau social, toi, en réalité? Instagram, comme tous ceux de ma génération. Ouais, ouais. Donc Insta en priorité, je mettrai le lien, mais c'est facile, Cici Mua, YouTube, oui, TikTok, etc. YouTube. Ouais. Et puis aussi, bien sûr, je mettrai un lien vers les différentes plateformes, enfin les différentes boîtes, même si elles se retrouvent assez aisément. Mais comme ça, vous pourrez aller jeter un œil à tout ce que fait Cici et soyez impressionnés par la quantité, la quantité et la qualité de boulot qui est effectué. C'est très gentil. Un grand merci pour ton temps. Merci.